Gigantesque incendie. À l'annonce de cet incendie, Emmanuel Macron a reporté à une date ultérieure l'allocution qu'il devait prononcer depuis l'Élysée. Les annonces du président de la République attendues hier soir et finalement reportées. On commence à en connaître un petit peu la teneur. D'abord, la suppression de l'ENA. Emmanuel Macron avait prévu de l'annoncer hier, suppression de l'ENA. Je ne suis pas né ni dans la haute fonction publique, ni dans la finance, ni dans la politique. Je suis né dans une ville de province, j'ai passé des concours. Je suis ensuite rentré à l'ENA. Je suis devenu au fonctionnaire manqué. Donc là, pour des gens, je suis dans un système, ce qui est tout à fait vrai. Vous faites partie du système. Bien oui, j'ai été formé par l'école de la République. J'ai passé des concours, j'ai eu des écoles, l'ENA en l'espèce, qui a tant fait parler. Je ne vais pas l'attaquer, cette école, je vais la défendre. Parce que moi, je suis né à Amiens, dans une famille de médecins hospitaliers. Je ne suis pas un fils de haut fonctionnaire. Je ne suis pas un fils de responsable politique ou de grand homme d'affaires. L'ENA, je ne vais pas l'attaquer, cette école, je vais la défendre. Suppression de l'ENA, Emmanuel Macron avait prévu de l'annoncer hier, suppression de l'ENA. Je ne vais pas l'attaquer, cette école, je vais la défendre.